Alexis Corbière revient sur les menaces de mort des fans de Johnny Hallyday après son tweet polémique en décembre 2017. La triste mort de Johnny Hallyday ne doit pas nous faire oublier le nouveau mauvais cookie. Le gouvernement, NDLR nous prépare prochaine cible, le SMIC, avait tweeté Alexis Corbière quelques heures après la disparition du taulier. La suite. À partir de là, je me suis fait défoncer par toute la presse disant que j'étais un salaud et j'insultais Johnny, assurait-il ce mardi 12 mars sur Europe 1. Et de poursuivre en précisant qu'il est, comme ses copains le savent, un fan de la discographie du rocker. Il y a des mecs qui ont appelé le local de la France Insoumise en disant « si on voit Corbière dans la rue, on va le crever ». Une folie, une folie. Alors je tiens à le dire, que vous me croyez ou pas. Je l'ai vu en concert plusieurs fois, j'aime bien les grandes chansons populaires de Johnny, et c'est vraiment très con, mais c'est pas grave que je sois passé pour un type qui n'aimait pas le bonhomme, a-t-il fini par avouer. C'est comme l'Arc de Triomphe, ou la Tour Eiffel, un grand monument français, a conclu Corbière, face à Carl Zero. Take a body's high.